Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans et cela fait maintenant 2 ans que je suis chargé d'affaires chez Tarkett dans le nord de la France. Le métier de chargé d'affaires chez Tarkett se compose en deux parties. La première partie, il s'agit, comme son nom l'indique, d'apporter des affaires, c'est-à-dire détecter les appels d'offres et les projets de valeur ajoutée de la région. Une fois les projets détectés, on rencontre les parties prenantes, c'est-à-dire ça peut être un architecte, un bailleur, un promoteur. On propose là ou les solutions adaptées à leurs besoins. Et ensuite vient la phase de suivi d'affaires, c'est-à-dire qu'on s'assure que le chantier se passe bien de A à Z jusqu'à la livraison. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est le fait de me dire que, à mon échelle, je participe aux constructions de ma région. C'est-à-dire quand on passe devant des logements, une école, une EHPAD, une clinique, c'est le fait de pouvoir dire que j'ai préconisé telle ou telle solution de revêtement de sol pour cet immeuble. Je dirais que ce métier de chargé d'affaires, dans un premier temps, est fait pour les personnes qui aiment bien la rencontre. Moi, depuis que je suis chez Tarkett, j'ai rencontré pas mal de monde, de différents profils. Ça peut être un directeur technique, un architecte, un responsable de programme, un chef d'entreprise. Deuxièmement, c'est une personne qui est très empathique, une personne qui sait se mettre à la place de son client pour comprendre les enjeux que le client a. Et ce métier est fait aussi pour les personnes qui s'intéressent au monde du bâtiment, mais plus précisément au sujet de demain, à la ville de demain, parce qu'en tant que fabricant de revêtements de sol, on a un poids important sur le monde du bâtiment. Donc il est important de comprendre les enjeux climatiques, environnementaux, le réemploi des matériaux de construction, le recyclage aussi. Quand je suis arrivé chez Tarkett, j'étais agréablement surpris du management de proximité. Moi, avec mes objectifs et mon profil, j'étais suivi en fonction de ce que je faisais au quotidien, en fonction de mes objectifs du quotidien. Donc ça, c'est un point très positif. Le deuxième point, c'est qu'on arrive tout de suite à trouver sa place au sein de l'équipe, c'est-à-dire que la force de vente est composée d'une mixité de profils, de plus expérimentés, de moins expérimentés, de profils de tout âge, qui viennent du bâtiment ou pas. Et on arrive vite à trouver sa place. Et le troisième point, c'est l'ambiance qu'on a au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'on sait quand il faut être sérieux et produire et être à 200% s'il faut. Mais par des moments, on a aussi la pression. On sait prendre du recul et échanger avec les collègues, partager du bon temps pour pouvoir maintenir cette belle ambiance qu'on a chez Tarkett.